Yep, tout le monde, c'est Miller7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme d'habitude, je suis sur Seul Monde. Donc les gars, aujourd'hui on est samedi, de base je voulais faire une vidéo pour le héros, tu vois, vu qu'il y a un nouveau héros, il y a le tremblant, évidemment, le tremblant le plus important. Mais du coup, comme un con, j'ai oublié de mettre mon casque, du coup j'ai fait ma vidéo, mais je parlais, on n'entend pas ma voix, du coup j'ai pas mis le casque. Enfin bref, cette fois-ci il y a le casque, du coup, bah, comme je viens de le dire, il y a du coup le tremblon que j'ai acheté pour la collection. Et il y a du coup le petit Johnny Z loup de mer qui est plutôt sympathique. Onde de choc gauche-droite et cri de guerre. Du coup, j'ai déjà mis en 130. Hein. Et du coup, son onde de choc il est doublé si tu l'as en commandant. Et il augmente de 55% les dégâts de. Ben, des ondes de choc, tout simplement. On va pas aller plus loin. Du coup, vous voyez que je l'ai ici. Merde, je l'ai ici. Merde, je l'ai ici. Donc en 130. Du coup je vais le tester en pirate hein. Clairement j'ai mis du coup la cachette de Blake le Noir pour avoir les petits coffres hein. J'ai mis du coup la petite Ramirez boucanière hein, qui est gauche droite pour les canons hein. Non, je rigole. Pardon, j'ai mis du coup louve des mers hein, clairement de Finode qui va servir pour les massues. Et j'ai mis l'aventurier. Je les ai tous améliorés en 130. Après j'ai choisi de mettre la lapine, vu que j'aime bien, et du coup c'est pour onde de choc. Du coup j'ai des trucs pour un truc pour gauche droite, un truc pour onde de choc, et Johnny Z sur valise comme d'hab. Mais c'est pas la meilleure des compos, tu vois. Mais n'hésitez pas à me dire des compos. Du coup et je testerai ça plutôt demain. Là je vais pas faire trop long, c'était juste pour vous dire ça. Mais de base c'est sortir à 3h du mat, du coup, enfin à 2h30. Enfin bref. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce petit de cette petite compo. Donc les gars, si vous vous demandez, ces derniers jours, j'ai beaucoup joué en mode opération. Du coup, je suis passé en 50 en ombre hier. Vous avez vu peut-être la vidéo. Enfin, peut-être pas en entier, vu qu'il dure 1 heure, comme d'hab. Et j'ai passé niveau 50 fantôme. Je vais vous mettre aussi les petites dernières games que j'ai fait en tant que fantôme, du coup, pour passer niveau 50. C'est pas intéressant, mais c'est juste pour avoir des gameplays différents. Un peu de sauver le monde, un peu de BR, un peu d'opération, un peu de. Pas de créatif. C'est vrai que je pourrais choisir un jour et faire du créatif. N'hésitez pas à me dire si vous êtes chaud que je fasse du créatif. Ouais, pourquoi pas choisir un petit jour et faire du créatif. Peut-être pas des build fight vu que j'ai pas d'adversaire et j'ai pas envie de faire du build fight. Mais genre des petites maps, genre je sais pas, tu préfères. Pour un peu plus savoir un peu sur moi. D'ailleurs, merci aux gens qui s'abonnent ces derniers jours sans que je demande en fait. Je suis à 126, du coup j'ai atteint la barre des 125, ça fait plaisir. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, à continuer, jusqu'à atteindre le plus haut quoi. Mais pour l'instant, ce serait cool, ce serait d'atteindre les 150 avant mon anniversaire, sachant que c'est dans le mois prochain, le 26 juin. Ça pourrait être pas mal, ça ferait un petit cadeau, ça ferait plaisir. Du coup n'hésitez pas à vous parler de ça à vos entourages, n'hésitez pas. Si je suis niveau 105, niveau 150, 150 abonnés avant mon anniv, ce serait plutôt pas mal. Ce serait intéressant et en même temps, plus je vois qu'il y a des abonnés, plus ça va me donner envie de faire du contenu un peu plus propre, tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, ouais, j'aime bien, je suis plutôt actif, je fais plutôt pas mal de choses et tout. Mais du coup, évidemment, je vais mettre le tremblant dans la collection. J'hésite à mettre hybride aussi dans la collection, du coup. Clairement, je vais peut-être pas l'utiliser de sitôt. Enfin, le réutiliser de sitôt. Donc, hybride, il va partir en collection. C'est un très bon héros. Franchement, j'aime bien jouer avec lui et tout. Vous savez que moi, je focalise la collection. Donc, je mets tout en collection. Évidemment. Du coup, on va le mettre en train de. Mais en vrai, c'est un très bon héros. Je l'ai joué toute cette semaine, du coup. Avec ma compo que vous avez probablement vu dans ma vidéo. Mais en soi, elle est pas ouf. Elle est clairement pas ouf, une petite hybride. Du coup, Ali, voilà. Du coup, demain, du coup, elle sort la vidéo où je vais tester le nouveau héros là. Ne vous inquiétez pas, je vais le tester. La ninja, je vais pas la remettre tout de suite, si. On la remet tout de suite. On la reprendra au pire. Vas-y, on la reprendra au pire quand je jouerai de nouveau ninja. Pour l'instant, cette semaine. Je joue soldat. Toute cette semaine, du coup, je vais jouer soldat. Sauf pour mes games AFK ou quoi. Évidemment, je vais pas jouer soldat, vous vous en doutez. Mais bon, sauf si ça s'avère une bonne compo, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Et puis, on avait dit qui, cauchemar, c'est quoi ça? C'est que des doubles. Ici, c'est bon, c'est que des doubles. J'ai pas fait des expéditions, j'ai oublié de les faire. Merde, j'ai oublié de faire les expéditions, du coup.
Bon bah tant pis, je les ferai ce soir. Choisir, on va pas se tromper, on va prendre le 20 évidemment. Hop. Non. Oh, il fallait mettre le 130. Du coup, on va le monter en 34 pour le moment. Du coup, les affixes du tromblon, vous le connaissez, hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Je l'ai déjà en 130, je l'ai joué depuis pas mal de temps déjà. Je pense que c'est pas une arme que j'ai besoin de présenter. Je pense que tout le monde la connaît, tu vois. Ah, ils m'ont toujours pas mis la flèche, hein, comme quoi j'ai tous les dragons. Et les fêtes, c'est normal qu'ils me mettent pas vu qu'il me manque le Papa Noël. Ici, ici, pas. Quoi? Ah, j'ai cru qu'il y avait écrit 2 pour le truc. Le fossoyeur, j'ai envie de le remettre, mais vas-y, je vais pas le remettre. Je vais quand même le garder vu que c'est une arme que j'affectionne particulièrement. Du coup, voilà, ouais, il manque plus que Vieri. Ouais, j'ai bientôt tout en soi. Du coup, voilà, on met ce qu'on a. Au pire, les experts, je fais que des trucs de 10 heures. Vu que là, je vais aller me coucher en vrai. Je sais pas où on tient. Je pense que je vais aller me coucher au moins. Je peux jouer assez tôt avec, avec G. Enfin, tôt. Non, mais. Enfin, si elle veut, évidemment, je vais pas la forcer. Mais du coup, voilà. Du coup, on se laisse là-dessus. Je vais pas vous déranger trop. On va se retrouver quand même demain pour la vidéo, pour le test du héros. Du coup, là, voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao!